finances pour pas gain vide institutionnel et les renouveler par tiers. En plus de ça, article 50-3 décret loi électorale 2015 là, dit très clairement mandat sénateur a fini deuxième lundi mois janvier, sixième l'année après prestation serment. Cependant, depuis quelque temps, un pile débat contradictoire a fait autour des questions ça. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles fait qu'on est mandat tout sénateur a fini lundi 13 janvier 2020. Nous sommes jamais dans le Sénat. Le fait que l'élection est faite en retard par rapport à l'article 95, par rapport à l'article 96 dans la Constitution, même si elle est pour 6 ans, elle est pour 4 ans, si l'élection est faite en retard 2 ans, 3 ans, eh bien, on va perdre le nom de dans le mandat. Ça a été même le nom de dans le mandat dans le Sénat républicain. On dit, on ne peut pas jouer en plus, on ne peut pas jouer en prince. On joue en moins. Eh bien, c'est comme ça toujours dit, hein, peuple haïtien. L'éclair, deuxième lundi, janvier 2020, pas bien parlement encore, qu'a plein de points là, Jean Payan. Sénateur Yuri La Tortue, bon côté parle, dit c'est pas vrai. La loi claire sur ça, c'est un tiers sénat qu'a parti lundi 13 janvier 2020. Président Fédération Nationale Magistrat, FENAM, Jude Edouard Pierre, sous bon parle, plaidé en faveur, respect. Mandat tout élu en dans le pays d'Haïti. Depuis 3 mois, ça dit que tu es le président, et le président te dit, publiquement avec nous que c'est les maires qui vont diriger avec lui, hein, parce que c'est pas le gouvernement national au niveau parlement, et que mairie et section communale et collectivité sont toujours en poste, et nous avons bataille qu'on y a pour nous faire élection. Nous allons rencontrer le conseil électoral là, nous allons rencontrer la Cour des comptes, nous allons rencontrer toutes les institutions, nous allons rencontrer tout ministre, tout acteur, tout le monde dans l'opposition. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a un vide dans le Parlement qu'il est obligé de mettre un vide dans la collectivité. Selon la Constitution, le président Jovenel Moïse, devant l'Assemblée nationale, a dû faire un discours sur l'État-nation lundi 13 janvier 2020. Étant donné 51e législature là, pape entré en fonction pour remplacer 50e là, avec un tiers sénat, qui a parti à cause élection législative à collectivité territoriale, pas organisée comme prévu 28 octobre 2019 passé, hein, chef l'État a dû prononcer discours ça, dans le palais national, en respectant normes démocratiques, yo. D'après un pile observateur, vide institutionnel ça, pral gen gros conséquences négatives sous avenir paysan le fait que pas gagnen et poko ap gagnen yon gouvernement légitime en dans pays d'Haïti pour faire face à problèmes sociaux, politiques et économiques. Yon dossier n'ap suivre. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Mandat au sénateur lui reposer sur la Constitution et la loi. Sa Constitution dit. Constitution, il y a deux bagailles que dit. Il dit que le Sénat se renouvelle par tiers. Et dans l'article 94, il dit l'élection sénatoriale a fait, eh bien, c'est la loi qui détermine les conditions. Qui l'élection est faite pour sénatoriale en 2015 et en 2017. En 2015, la loi a été dit. Loi a dit. Et ceci nous a remis tout le monde, entendez. Et c'est peut-être ça qu'il n'y a aucune discussion sur cette question. Article 50.3 de la loi électorale de 2015. À l'occasion des élections sénatoriales impliquant à la fois un renouvellement et une ou deux vacances au sein de même département, les électeurs votent pour autant de candidats qu'il y a de postes à pouvoir. Dans l'élection 2015, là, tu as gagné 2 sièges. OK? Un renouvellement et une vacance. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, c'est-à-dire mon qui premier, reste en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier de la sixième année de son mandat. Sénateur La Tortue, c'est lui qui est premier, il est passé dès le premier tour. Loi dit, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, reste en fonction jusqu'au deuxième lundi de janvier de la sixième année de ce mandat. Mandat commencé en janvier 2016, mandat fini en janvier 2022. Le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur comble la vacance produite
en cours de mandat pour le temps qui reste à courir. Tout éventuel troisième sénateur élu, soit celui qui vient en troisième position, termine le mandat qui arrive à terme en premier. Donc, moi, c'est que, sur question ça, il n'y a pas, pour pas gagner pour garder ni à gauche ni à droite, il y a la loi. Ce n'est pas le président qui fixe le mandat, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le ministre, c'est la constitution et la loi. Constitution vaut dans la loi, et voici ce que dit la loi. Donc, normalement, nous devons gagner élection en 2017. Le SAA, où tu gagnes simplement un sénateur, un candidat, un sénateur par département, eh bien, immédiatement, sénateur SAA, le que ou pas de gagner deux sièges, tu gagnes moins de problèmes, sénateur SAA l'élu pour 6 ans. Donc, sénateur qui est entré en 2016, la fin en 2022, et sénateur qui vient entrer l'année prochaine, en 2017, et fini en 2023.
À partir 13 janvier 2020, a gagné un vide institutionnel dans le pays d'Haïti, côté mandat député 50e législature a privé dans bout li et puis tout mandat 10 sénateurs à bout d'après article 95-1 95-3 constitution qui dit n'a cité Sénat siégé en permanence pour pas gain vide institutionnel et les renouveler par tiers. En plus de ça, article 50-3 décret loi électorale 2015 an, dit très clairement mandat sénateur yo a fini deuxième lundi mois janvier, sixième l'année après prestation serment yo. Cependant, depuis quelque temps, un pile débat contradictoire a fait autour de questions ça. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles fait qu'on est mandat tout sénateur a fini lundi 13 janvier 2020. Nous sommes jamais dans le Sénat. Le fait que l'élection est faite en retard par rapport à l'article 95. Par rapport à l'article 96 dans la Constitution, même si elle est pour 6 ans, elle est pour 4 ans, si l'élection est faite en retard 2 ans, 3 ans, eh bien, on va perdre le nombre de temps dans le mandat. Ça arrive même si on est dans le mandat dans le Sénat républicain. On va dire qu'on ne peut pas jouer en plus, on ne peut pas jouer en prince. On joue en prince. Eh bien, c'est comme ça toujours dit, hein? Peuple haïtien, l'éclair, deuxième lundi, janvier 2020. Pas bien parlement encore, qu'a plein de points là, Jean Payan. Sénateur Yuri La Tortue, beaucoup de parle, dit c'est pas vrai. La loi claire sur ça, c'est un tiers sénat qui a parti lundi 13 janvier 2020. Président Fédération Nationale Magistrat, FENAM, Jude Edouard Pierre, sous Bopal, plaidait en faveur, respect, mandat tout élu en dans pays d'Haïti. Depuis 3 mois, ça dit que dans le discours du président, le président a dit publiquement avec nous que c'est les maires qui vont diriger avec lui, hein, parce que c'est pas le conventionnel au niveau parlement, et que mairie et section communale, collectivité, il y a toujours en poste, et la bataille qu'on y a pour nous faire élection, on va rencontrer le conseil électoral là, on va rencontrer la Cour des comptes, on va rencontrer toute institution, on va rencontrer tout ministre, tout acteur, tout le monde dans l'opposition, parce que c'est pas parce qu'il y a un vide dans le parlement qu'on est obligé de mettre un vide dans la collectivité. Selon la Constitution, président Jovenel Moïse, devant l'Assemblée nationale, a dû faire un discours sur l'État-nation lundi 13 janvier 2020. Étant donné 51e législature là, pas entré en fonction pour remplacer 50e là, avec un tiers sénat qui a parti à cause élection législative à collectivité territoriale pas organisée comme prévu 28 octobre 2019 passé, hein, chef l'État a dû prononcer discours ça dans le palais national en respectant normes démocratiques yo. D'après un pile observateur, vide institutionnel ça. Madame, c'est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Mais avant de faire une nouvelle là, ou même garçon qui a tant de vidéos ça, qui pas de bonne, qui pas de endurance, qui a fait bec à terre, qui a pris honte dans mes belles mesdames dans la ria, qui a pris honte dans mes madame ou bien ménage, eh bien, il y a une bouteille qui est déchirée qui est bon pour garçon qui pas de endurance, pour garçon qui a fait bec à terre, pour garçon qui a pris déception dans mes mesdames. Eh bien, déchiré déjà travail pour un pile monde. Il y a un pile monde qui achète déchiré, il y a témoigné de lui. Eh bien, qu'on y a ce moment pas oublié pour acheter bouteille qui est déchiré pour mettre bande sous. Déchiré dans la ria là, la font pile miracle, la font pile merveille. Il réveille un pile garçon qui pas sous rien. Eh bien, qu'on y a mes numéro de téléphone les qu'on y a pour acheter déchiré par là. 561 692 28 14. 561 692 28 14 c'est pour numéro de téléphone ça pour aller pour acheter déchiré pour mettre bande sous pour suspendre prendre déception dans mes mesdames dans la ria là quelque soit contre rien dans le monde entier y a vous déchiré ba ou seulement relé dans numéro de téléphone nous là pour plus information relé dans 561 692 28 14 561 692 2814 ou même garçon cap tandem là ou pas gain endurance ou pas gain bande et bien relé dans numéro de téléphone ça qu'on y a là pour acheter déchiré là. Merci.